les Pogo Carcash Control, comment ça va? Salut. Bon, ça va. On se voit juste avant de votre petit concert au bain. Petit concert pas forcément, parce que sur scène c'est assez costaud ce que vous balancez. Et on m'a dit justement que vous n'arrêtez pas de progresser. Donc du coup il y aura quoi de nouveau par rapport à ceux qui ont pu vous voir au Mama ou au Rock en scène là, ce soir? Un nouveau set. Ah ouais, c'est vrai, il y a un nouveau titre. Ouais, avec 2-3 nouveaux morceaux, ouais. Parce que justement, donc là, vous aviez un EP, un premier EP avec 5 ou 6 titres, je sais plus, il y en avait 6, je crois, 6, qui était sorti en novembre, et là, vous avez un nouvel EP qui est en préparation? Un album. Un album, carrément? Vous avez une date de sortie déjà? Oh, bah, ce sera octobre, hein, je pense. Ah ouais? Il n'y a pas de date de sortie. Il n'y a aucune date de sortie. On va pas trop s'avancer sur la date. On va pas trop s'avancer. Les gens vont l'enregistrer fin 2017. Ouais, bon. Ouais, on espère cette année, quoi, du coup. Voilà. Ouais, on espère. Fin d'année. Pour mettre les choses au clair, parce que moi j'ai entendu dire que votre nom, en fait, c'est un peu le hasard qui a fait que vous avez ce nom-là. C'est pas une volonté de votre part, c'est un générateur. C'est ça l'histoire? C'est le frère d'Olivier qui est le générateur de nom de groupe. C'est un générateur organique. C'est mon frère qui réalise nos clips, qui a trouvé ce nom. Voilà, il a beaucoup d'idées, il est très inventif. Et c'était un putain de nom. Et qu'est-ce qui fait que ce nom est incroyable pour vous? Bah, je pense que c'est le fait d'assembler 4 mots hyper bêtes et méchants. Voilà, c'est long, c'est dur à dire et ça fait crrr, Pogo car crrr, je contrôle. Alors justement, du coup, c'est ça ce que tu veux, ce que vous recherchez dans votre groupe, c'est d'avoir des choses qui soient forcément réfléchies, des choses qui soient compliquées à raconter, des choses qui soient brutes. C'est quoi l'idée du groupe, de votre musique? Non, mais je veux dire, c'est qu'un nom qui est difficile à raconter, c'est quand même bizarre, à retenir ou à raconter. Ah non, qui est difficile à te dire, ouais. Pogo car crrr, je contrôle. Enfin, ouais. C'est un peu drôle parce que c'est un imprononçable, donc c'est marrant, quoi. Mais justement, c'est pas genre les groupes qui prennent un nom pour que ça reste en mémoire. Nous, on a décidé de faire tout le contraire, prendre un nom long et compliqué. Aucun rapport avec la voiture, aucun rapport avec l'accident. Un clip où il y a des voitures qui se défoncent. Ouais, voilà, notre clip. Ça peut être un rapport. Après, je pense qu'il est pas inretenable le nom. Je trouve qu'il est vachement retenable parce que justement. On confond avec des mots ou quoi, mais. Bah, une fois qu'on l'a retenu, on le retient. Une fois qu'on voit sur scène, on vous retient aussi. Et que justement. Non mais c'est vrai, je trouve que le nom il est vachement bien trouvé au final. Là, c'est pour prendre de la place sur les affiches. Ah bah ça c'est un problème. Mais au moins vous avez tous vos réseaux sociaux qui sont propres, personne n'a pris votre nom. Non c'est sûr. Ah oui, dans Google on est hyper bien référencé. Ouais, ouais voilà c'est alors, ça. Alors il y a un groupe des clips et des japonais. Crashs de bagnole. Il y a un groupe japonais qui s'appelle The Pogos. Alors des fois tu tombes sur eux et sinon tu tombes sur Car Crash. C'est des vidéos d'accidents de voiture. Ouais. Mais c'est pas comme anciennement Deportivo, si on voulait les écouter, on avait plutôt des vidéos du club des Deportivo, club de foot. Je savais pas, je connais pas le foot. Ouais, je savais pas non plus. Alors du coup, moi j'ai une autre question aussi, c'est pourquoi ce choix de chanter en français? Ouais, c'est pas vraiment un choix, je pense. Est-ce que vous parlez pas anglais? Non. Ouais, puis parce qu'on est français et puis on parle français et puis. Parce que j'ai pu voir que c'est quelque part vachement novateur. Le fait qu'un groupe de rock, déjà, c'est pas forcément sur cette scène en France, il y a pas beaucoup de groupes comme vous qui font ce type de musique et en plus en français, c'est vachement rare. Ouais, effectivement. C'est pour se démarquer encore comme le nom. Bah, il y avait naturel pour nous de chanter en français directement plutôt que de chanter en anglais. Ouais. Côté jeune. Ouais, il y avait pas mal de trucs, mais. Il y a quand même des groupes de rock français, hein. Il y en a. Hein. Il y en a moins, mais que. Bah, des groupes aussi violents musicalement, aussi punk, on n'est pas dans l'univers des Wampas quand même. Non, c'est vrai que Wampas c'est plus festif. Ouais. Disons qu'on chante en français, mais on fait pas trop franchouillard quoi. Ah non, pas du tout. On essaie de pas trop faire franchouillard, mais. Après, c'est pas plein de trucs non plus. Voilà. Non, il y a plein de trucs en français, mais c'est vrai que c'est pas dans le rock. Mais dans le rap et tout. Il y avait des. Et tu vois, le français ça sonne grave bien. Ouais. Donc pourquoi pas dans le rock? Non mais il y a pas mal de groupes de rock français, je pense à Asile c'était il y a pas si longtemps quand même. Je connais pas trop justement sur cette scène, il y a quoi comme groupes qui ont vraiment explosé, à part One is Innocent, genre de trucs? Gare à poubelle. Ouais, c'est un peu leur chemin transversal. Et c'est justement ce que vous écoutez vous, exclusivement, ou vous êtes vachement ouvert sur vos styles de musique? C'est-à-dire qu'on est assez ouvert, on n'écoute pas que ce qu'on fait. Après, franchement, ça serait trop Olivier, chiant. Plus après, c'est vrai qu'en moi, je suis assez secteur de l'anglais. Bah, pour prendre dans l'ensemble, nous, enfin, je sais, les gars, vous écoutez pas mal de rap aussi. Ouais, en français, du rap. Mais ouais. Sinon, le rock, moi j'aime bien écouter. Enfin, je pas trop de rock français quoi. Ouais, à part Gary à poubelle, des trucs un peu punk. Ouais, c'est vrai. Si,
Ouais, Asile aussi. Franchement, on écoute plein de trucs. Hein. Oh, ouais, c'est vrai. Ouais, on a assez ouvert. Et pour revenir au français, justement, toi, Olivier, ouais. Est-ce que c'est plus particulier de chanter en français parce que comme tu peux le faire, ou parfois tu cries, etc., ou c'est un peu guttural, ouais. c'est plus facile en français ou en anglais? Est-ce qu'il y a une différence au niveau des mots, des prononciations, des syllabes, ce genre de choses? Comment tu travailles ta voix, toi? Je travaille pas vraiment la voix. C'est vrai que moi, je suis un guitariste. Hein. La voix, c'est vraiment, je me lance et puis et pour l'instant, ça s'arrête là. Je t'avoue que je pratique pas la voix comme un instrument. Moi, je fais pas attention. Parce je me lance en répète, je chante, je crie et puis. T'as pas des extinctions de voix à des moments? C'est pas un problème? Parce c'est que quoi, tu as des extinctions de voix, parce que tu y vas vraiment en fait, c'est ça qui est important. Non, mais très tôt, en fait, j'ai trouvé un peu le truc pour crier, c'est pour crier sans te faire trop mal. C'est une petite technique qu'il faut avoir. Je l'ai senti avant de chanter vraiment. Quoi. Ouais. Si c'est je me pas trompe. Bien compliqué, hein. Il suffit de contracter un peu les fesses et puis. Ouais, mais faire ça tous les soirs, bon, je jouais pas tous les soirs, mais faire ça assez souvent, au bout d'un moment. Moi je pourrais pas personnellement, et comme beaucoup, la grande majorité des gens, même c'est des chanteurs. C'est comme le footing, tu sais, tu commences 5 minutes par jour, après 10, après 30. Ouais, et puis j'imagine pas que tu vas prendre ton petit bol de miel à chaque fin de concert. Ou avant. C'est ça mon miel. Ouais. j'ai cru comprendre qu'aussi le groupe, initialement c'était vous trois, les garçons, et puis Lola, tu les as rejoints plus tard, c'est ça? Bah avant ils étaient 4. Il y a ouais. Bassiste, Ben, mm-hmm. Et puis moi j'ai rejoint le groupe il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, en mai dernier. Et du coup, bah voilà, je m'y trouve très bien, ils sont très gentils. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de les rejoindre, eux? C'était un peu un concours de circonstances. On s'est croisés. J'ai passé les auditions, hein, comme tout le monde. Hein, puis ensuite, on s'est bien entendu. Il y avait une queue comme ça? Il y avait une queue, ouais, là, j'imagine. Les auditions. C'était la nouvelle star. Les auditions, quoi. Voilà. Rendez-vous à Paris. Reprise. Et puis, c'est un grand oui. Et ensuite j'ai eu le théâtre et j'ai pris le RER jusqu'à Noisy-Champs dans le 7-7 et j'ai pris la voiture ensuite. Louis il est venu me chercher et puis on a parlé et puis ensuite j'ai écrit les chansons que j'avais apprises le matin et ils m'ont dit oh c'est cool. Du coup, moi, je suis rentrée, je me suis dit, ça veut dire ouais, quoi? Attends, ouais, on cool. A pas dit juste c'est cool. Non, mais toi, tu m'as dit, ouais, c'est cool et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est un oui ou est-ce que concrètement, je vais repasser d'autres auditions? Ouais, c'était pas des auditions, hein, vraiment. Ouais, non, ah ouais. Audition. Non, mais parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont passé ce truc-là pour devenir... Parce que vous avez bah, même... deux personnes, dont le meilleur pote de Louis et Simon, pardon, et je les comprends. Et un autre pote, Karim. Mais il y a 6 mois, il y avait déjà quand même une petite notoriété sur la scène au niveau de votre nom, non? Pardon? Il y a 6 mois, il y avait déjà une petite notoriété quand même. C'était pas un groupe totalement inconnu. Franchement, écoute, si, hein, je crois que. Bah pour arriver dans justement, il y a 6 mois, vous avez fait rock en scène quand même. Donc, ouais, un jeune talent, c'est Benji pas un hasard. Il est parti un peu avant en fait. Ouais, c'est quand il a fallu justement un peu s'impliquer dans le groupe. Ouais, non, il a décidé, ça. Il a préféré être se consacrer à ses études. Et vous justement, c'est le groupe, vous êtes 100% dans le groupe ou vous êtes en études là? Ah non, je suis en dernière année à l'école d'ingé, mais je galère un peu. Ma priorité c'est quand même le groupe et je passe mon temps à aller à l'école et c'est un passe-temps quoi. Et vous êtes aussi en études du coup? Full groupe. Non. Moi je fais un semblant de conservatoire à côté, mais ils me disent que c'est pas bien quand je suis pas là. Ouais, mais alors, je suis d'accord avec eux. Ce qui est marrant, c'est que le conservatoire c'est pas ce genre de musique qu'on apprend, parce que j'en ai fait aussi pendant 15-16 ans. Ah mon pauvre. Et tu fais de la basse du coup au conservatoire? Ouais, je suis en cursus musique actuelle, donc ça va, c'est quand même relié. Ouais, c'est différent. Après, je peux t'en dire que j'ai jamais joué une note de punk là-bas. Mais c'est cool, t'apprends plein de trucs. Voilà, ça peut t'ouvrir à d'autres styles. Mais voilà, la priorité ça reste le groupe. Et vous justement, la musique, la guitare, etc., la batterie, c'est vous avez appris ça en école ou c'est quelque chose qui vous est venu avec des potes dans les garages et vous avez progressé? Alors, j'avais commencé la batterie quand j'étais petit, j'étais assez poussé à mes parents pour faire un instrument de musique, mais j'étais passé justement par la séquence conservatoire, tout ça, et ça m'a un peu saoulé, du coup j'ai arrêté, j'ai dû faire 4 ans de batterie quand j'étais gosse, mais pas vraiment avec ma propre motivation, donc j'ai pas vraiment évolué. Puis j'ai recommencé au collège en fait, quand on a commencé à tous faire des groupes et à vouloir faire de la scène et jouer du punk. Ouais. Il y a un truc, je vous partage une anecdote. Quand je vous ai vu au Mama il y a quelques mois, votre formation, votre groupe, donc 3 garçons, une fille, notamment une fille à la basse, il y a quelqu'un qui m'a dit, on dirait les téléphones, mais beaucoup plus violent.
On vous a déjà fait cette remarque ou pas? C'est quand même assez bizarre, c'est musicalement. C'est hyper intelligent. Je sais pas, mais il a cherché très loin, ton copain. Non, mais la référence reste sympa, non, j'imagine. Il nous a dit plutôt Indochine, tu vois. Ah ouais? Ouais. Pour le style musical aussi. Pour le style musical. Non, pour. Je sais non, mais pas. Ses cheveux. C'est pas étonnant. Je sais pas, mais c'est vrai qu'on a déjà dit que ça ressemble à Indochine. Mais c'est... Non, mais c'est vrai qu'on remarque le téléphone, on nous l'a pas fait souvent non plus. Non, non. Mais c'est pour le moment, c'est parce qu'avant, t'avais pas une fille à la basse. C'est tombé, la fille à la basse, on la ressemble à chaque fois. Parce qu'il y a pas beaucoup de groupes de rock avec une fille à la basse, ouais. Attends, quand même, on est quand même. De connu, de notoriété. Dans Southermore, dans Les Smashing. Les Smashing. Le Hall, il y a que des nains. Ouais, mais bien sûr, mais je te parle d'un groupe de rock en France qui chante du français, qui joue en français. Ah ouais, après. Ouais. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de groupes en France, puisqu'on est plutôt un petit pays. Toy Bloid ou il y a deux nanas. Bah oui, les groupes super cool. C'est des nanas. Les poteaux de Toy Bloid. Voilà, coucou les poteaux de Toy Bloid. Mais ouais. Bon, ah non, en tout cas, on vous retrouve dans quelques mois avec votre album, avec vos nouveaux titres ce soir. Il y a une tournée de prévue justement, déjà vous avez booké des dates cet été? Ouais, un peu, je sais plus. On vient d'être annoncé au Printemps de Bourges. Ouais, voilà. Le 18 avril. C'est vrai. Ouais. On est dans la petite vidéo et tout. Ouais, j'ai vu. En dessous de Jacques. Ouais, j'en ai parlé ce matin. En dessous de Jacques, donc c'est Fishback. C'est celui qui fait l'électro. Qui a le crâne rasé là et fait des Fishback. Et qui fait la coupe des Arrock avec Fishback. Fishback qui est très très bien aussi. Ouais, et puis elle est en français, elle chante, donc c'est cool. Ouais. Bah justement, peut-être qu'on vous retrouvera aussi Transmusical de Rennes avec la création comme Fishback a pu le faire en décembre. C'est un truc qui vous tenterait? Je connais pas. Bah en fait, c'est que pendant une semaine, elle fait une série de concerts chaque soir avec une création spécifique pour faire progresser sa musique. Une Fishback? Ouais, Fishback, elle a fait ça justement en décembre. C'est une chanteuse? Ouais. Bah, je t'invite à regarder Torréfacteur parce que j'ai déjà fait une interview comme vous avec elle et il y a son album qui sort vendredi là. D'accord. Elle boit quoi? Elle buvait un café, il était 10h du mat. Ah ouais? Ouais. Bon. Ah, la bonne excuse quoi. Vous ne le savez pas, mais il est 8h ici. Tu bats toi? Et ben du coup je vous remercie en tout cas pour ce petit verre. Moi je vous vois ce soir et j'espère que les gens vont venir vous voir aussi au Printemps de Bourges. Yes. Et sur d'autres scènes je mettrai toutes les dates qu'il faut lorsqu'elles seront annoncées. Bon bah je vous remercie les Pogo Crash Control. Merci à toi. Ciao, bye. Merci, salut.